Seul de tout mon Jésus.
Thank you.
victoire, au nom de Jésus. Thank you.
Amen.
dit après moi, Seigneur Jésus. Je te rends toute la gloire. Pour l'œuvre de la croix. Mon Dieu. En ce jour merveilleux. Aie pitié de moi. Dans ta grande beauté. C'est dans ta grande miséricorde. Je sais, Seigneur, que le ciel est ouvert afin que nous récipions de toi. C'est pourquoi, Donald, lave-nous complètement par ton sang précieux. Nous reconnaissons que nous ne sommes pas justes devant toi, que ton sang nous nettoie de toutes nos iniquités. Nous sommes nés dans le péché. Nous sommes nés dans la malédiction. Conçus dans le péché. Seigneur Jésus, que ta vérité soit au fond de notre cœur. En ce jour, en cette période pascale, que ta vérité soit au fond de nous. Purifie-nous, Seigneur, par ton sang. Annonce-nous la délivrance de nos âmes, la restauration, la joie pour ceux qui n'ont pas de joie, la détresse pour ceux qui sont abattus. Restaure-nous, Seigneur. Crée en nous un cœur nouveau, un esprit disposé pour te servir. Ne nous rejette pas, malgré nos fautes, loin de ta face. Rends-nous la joie de ton salut. Restaure-nous, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu peux acclamer le moyen de gloire. Alléluia. Acclame le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. C'est l'occasion de saluer tous nos frères et ta soeur. Nous lui avons shalom dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Un shalom puissant, un shalom pascal, un shalom puissant, un shalom de résurrection. Alléluia. Un shalom de résurrection. Un shalom de résurrection. Alléluia. Jésus-Christ est vivant. Shalom, shalom de Dieu. Alléluia. Shalom, shalom, shalom. Alléluia. Shalom, shalom. Que le Seigneur bénisse puissamment. Shalom, shalom. Alléluia. Soyez puissamment bénis. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus. Nous allons lire un passage dans le ciel. Alléluia. Gloire au Seigneur, soyez puissamment bénis. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes dans l'évangile de Luc, chapitre 16, au verset 19. Je
me présente, moi je suis l'apôtre Paul, du Revient International, je reviens, section patron. Amen. Je vais baisser un peu le pupitre parce que c'est un peu grand. Alléluia. La lutte est là. Un homme, il y avait un homme riche et qui était vêtu de pourpre et de fin lin. Alléluia. Faites attention. Cet homme était vêtu de pourpre et de fin lin. Bon, aujourd'hui peut-être, quelqu'un peut être vêtu de lin. C'est pas grand chose. Hein, plus de 2000 ans après, vêtu de pourpre, des vêtements assez riches. À l'époque, c'était un vêtement riche. Quand tu as des vêtements en lin, c'est riche. C'est vraiment. Alléluia. C'est considéré. C'est considéré. Et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Il était béni. Il vivait sa vie. Il festoyait. Il enjoyait sa vie. Si on peut dire comme ça l'anglais et le français, il enjoyait sa vie. Il vivait. Hein? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Hein? La plupart de ceux-là qui ont le moyen, quand vous lui parlez de préparer la mort, ils sont super contents de lui parler parce qu'ils vivent sa vie. Son paradis, c'est déjà ici. C'est toi qui as cherché le lendemain meilleur. Il est déjà, il est dans des yachts, il fait des voyages chaque semaine. Il va mal à vous. Qu'est-ce qu'il y a à lui raconter de Jésus? Pas ça. Alléluia. Mais le Seigneur a le moyen de récupérer ses enfants. Très souvent, le Seigneur utilise un malade. Tu peux être riche quand tu veux. Mais quand le cancer te tape, le médecin ne peut rien. Il n'y a que Jésus qui peut intervenir. Alléluia. Donc vous allez voir, nous qui ne sommes peut-être pas assez nantis, assez comment. C'est nous que le Seigneur utilise pour venir prier pour ces gens comme ça. Et la personne qui est restée devant pour que Jésus-Christ est véritable. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu t'es bloqué, même si le monde autour de moi s'écroule, même si au bout de mon parcours, je ne vois plus du tout un petit secours, je trouve là, en fait, tu es Dieu. Il est Dieu, même si tout est bloqué. Il faut que dans ton cœur, tu proclames Jésus-Christ est Dieu. N'attends pas que les choses aillent mieux. Car je n'ai pas besoin de voir pourquoi. Tu n'as pas besoin de te poser des questions. Mais crois que Jésus-Christ est Dieu. Alléluia. Mais ce n'était pas le cas de ce riche. Il vivait sa belle vie joyeuse et désirait de rassasier un homme. Et un pauvre nommé Lazare, le pauvre, était couché à sa porte couvert d'ulcères. J'ai jamais vécu ça, je sais, je pense que c'est dur, c'est pénible. Ce sont des plaies forcément. Désireux de se rassasier des miettes qui tombaient à la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Ce qui est véritable dans cette affaire, c'est que pendant que le pauvre Lazare était en train de souffrir dans la chair, de chercher à manger, il avait un espoir. C'est que Jésus-Christ garde ou garde mon âme. Les situations de la vie peuvent toucher à ma chair. Je peux avoir mal, je peux avoir des attaques comme Jean. Je peux être attaqué au niveau de mon cœur, de mon corps, de ma vie, de mon âme. Il prenait soin, il ne murmurait pas contre Dieu, ce pauvre Lazare.
Oui, grand-papa. Alléluia. Je me rappelle d'un homme de Dieu qui s'appelle Alain Molotou. Vous le suivez, vous connaissez Alain Molotou. Alain Molotou. Alain Molotou. Venez, chantons pour le roi des rois. Acclamons-le, notre sauveur. Beaucoup de chants pour l'adoration. Beaucoup de chants d'adoration que le Seigneur lui a inspiré. Ce temps de Dieu, en tout cas, le Seigneur a préparé, l'a préparé pour retourner à la maison. Par la maladie, il a vraiment pris le temps. Parce qu'il savait que du jour au lendemain, et c'est le cas même du pauvre Lazare. C'est-à-dire que la souffrance qu'il vivait là, il dit non, ça va, elle m'a peut-être pleuré de mort. Laisse-moi préparer mon âme. Alléluia. Il y a aussi un mot que le Seigneur permet que tu tombes malade. Et c'est lui qui permet ça, parce qu'il sait que si tu laisses en vie là, la manière dont tu vas te donner dans les stades, dans les peuples, dans les choses, tu vas perdre ton âme. Il permet ce que tu. En fait, tu reviens dans ton nom, tu dis que la vie, elle est très courte. Il faut que tu prépares ton âme afin que l'éternité puisse être garantie. Ce pauvre Lazare, quand il est mort, il déclare qu'il s'est retrouvé au sein de la femme. Mais le riche, maintenant, il s'est retrouvé où? Dans le séjour des morts. Et le riche, il est en train de prier. Donnez-moi à boire. Parce que là-bas, il fait chaud. Là-bas, on a soif. Et il demandait au père Abraham, s'il faille même que quelqu'un quitte le séjour de mort pour aller dire à mes cinq frères qui sont restés, ne le plus ne pas venir ici, de préparer leur cœur. Alléluia. Nous savons qu'il y a cinq continents. Cinq continents, c'est aussi les cinq frères qui doivent entendre le message du salut afin que vous êtes sauvés. Amen. Si j'ai introduit cela, c'est pour que nous puissions ensemble écouter le témoignage de la maman. Béni. Alléluia. Peut-être que c'est la première fois. Toi, tu as suivi ça sur Internet. Bon, tu t'es posé des questions. Je pense qu'elle aura l'occasion de témoigner. Et tu vas peut-être poser ta question sur les choses que tu ne comprenais pas. Alléluia. Tu crois peut-être toujours aujourd'hui que un simple bout d'oreille, Jésus-Christ quand même, il n'est pas si méchant que ça. Il est du amour, quand même. Vous exagérez. Ça, vous pouvez. Franchement, vous aussi. Jésus revient plus calme. Vous avez vu dans vos histoires des parfums, des choses comme ça. Mais vous ne connaissez pas ça. C'est pourquoi Jésus revient et venu. Pour t'aider à aller au ciel. Depuis tout ce temps-là, les personnes que tu croyais qui sont entrées au ciel. Alléluia. Pourquoi le Seigneur a entendu la prière, on peut dire ça prophétiquement, du riche pour dire que quelqu'un sorte du séjour du monde qui vient de dire au monde. Le monde que tu es, comme le monde que je suis. Amen. Est-ce qu'on peut se lever? On va acclamer le Seigneur. Le roi est venu notre roi. Il va témoigner la grandeur du Seigneur Jésus-Christ. Il n'a pas été. Alléluia. Amen. Amen. Ce matin. Alléluia.
Je veux dire à quelqu'un qui pense que Dieu ne regarde pas le corps. Les gens ont tendance à dire Dieu regarde le cœur. Mais le Seigneur regarde aussi le corps, le cœur, l'état de ton âme, l'état de ton esprit. Il dit rien n'est pur ne rentrera dans son royaume. Alléluia. Donc nous devons vivre la sanctification corps, âme et esprit. Amen. Moi, je ne savais pas tout ceci. On ne m'a jamais dit que si tu portais une mini-jupe, tu pouvais perdre ton âme. On ne m'a jamais dit que si tu portais les mèches, les boucles d'oreilles, tu pouvais perdre ton âme, tu pouvais mourir et puis aller en enfer. Je ne savais pas tout ça. J'étais chrétienne, je vivais, en tout cas, je vivais comme je voulais, je faisais tout ce que je voulais. Je ne m'habillais pas pire. Je ne m'habillais pas pire. Je pouvais porter des culottes, je pouvais porter des mini-jupes, dessiner ma poitrine. Je pouvais porter des habits vraiment qui collaient le corps. En tout cas, je m'habillais de façon sympathique. Vous voyez, en été, de toute façon, les gens s'habillent. C'était un peu comme ça. Moi, je ne m'habillais pas bien du tout. C'est à ma propre honte que je le dis. Mais comme l'apôtre Paul vient de le dire, alléluia, le Seigneur s'en fout de ton âge. Il s'en fout que tu aies 1000 véhicules. Il s'en fout que tu aies des jets privés. Il s'en fout que tu sois riche, il s'en fout que tu sois pauvre. Mais quand il veut te sauver, il ne veut pas que tu perdes ton âme. Il va t'attendre à un carrefour où tu vas savoir que c'est lui et lui seul qui peut te faire grâce. Alléluia. C'est comme ça, par la grâce du Seigneur, le Seigneur a eu compassion de mon âme. Il savait que où je partais parce que ce n'était pas bon. Donc, il fallait me donner la maladie. Et non, c'est dans la maladie que le Seigneur m'a fait grâce. Et même dans la maladie, je pensais quoi? Je pensais que si je me portais pendant que j'étais sur le lit de l'hôpital, si je priais parce que je passais tout mon temps à boire le sang de Jésus, je pensais que ça suffisait seulement pour sauver mon âme, alors que ça n'a pas été le cas. Le Seigneur m'a fait voir plein de choses que je vais vous dire ce matin. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Donc, bien aimé, comme je le disais, je suis tombée malade. Et une maladie qui est venue subitement. Des myomes fibromes qui ont commencé. C'est vrai, j'avais déjà été opéré auparavant. Mais la dernière opération qui a failli me coûter mon âme, vraiment, c'était pas un truc que je traînais au fait. Quelques jours après mon mariage, j'ai commencé à saigner. Et c'est là qu'on a su qu'il y avait plein de myomes, plein de fibromes et qu'il fallait opérer. Les docteurs disaient qu'en opérant, ils allaient enlever mon utérus, ils allaient tout enlever. Chose que j'ai catégoriquement refusée. Avec la foi, j'ai refusé cette prothèse. Et par la grâce du Seigneur, on allait à l'opération. Tout s'est très bien passé. On m'a opéré ses corps, on m'a opéré de 56 fibromes. Mais par la grâce du Seigneur, j'ai survécu. Quand je vous dis 56 fibromes, ils sont venus avec un sou qui était rempli. On ne sait même pas où ces fibromes-là sont quittés. C'est-à-dire que c'est devenu comme ça. Ça vous dit que le Seigneur, quand il t'aime et il ne veut pas que tu te perdes, il va passer par des gens. Parce que moi, ma maladie, ça a été une maladie provoquée. Il va passer par des gens. Soit pour te donner la maladie, ou bien soit il va te donner la maladie lui-même. Parce que la Bible déclare dans le livre de Samuel que le Seigneur Jésus, il rend riche, mais il rend aussi pauvre. Alléluia. Le Seigneur Jésus, il fait descendre dans le séjour des morts et il fait remonter. Amen. Le Seigneur Jésus, il élève et il abaisse aussi. Gloire à Jésus. Le Seigneur Jésus rend stérile, mais c'est lui le Dieu de la fertilité. Il rend fertile. Donc le Seigneur peut te donner la maladie et te guérir pour glorifier son nom. Alléluia. Il savait que ce matin, je vais être ici. Parler au cœur de quelqu'un. Il savait que ce matin, ce jour, allait avoir lieu. Il savait qu'aujourd'hui, j'allais parler à une maman qui double encore dans son cœur, à une maman qui regarde sa vie passée et qui dit, mais avant j'étais comme ci, avant j'étais comme ça, maintenant je porte des grosses robes, je porte des gros boubous, c'est moi qui ai tout le temps à table, la tête attachée, on ne va même pas me
je veux. Bien aimé, je suis en train de préparer ton âme comme ça pour le ciel. Alléluia. Amen. Tu es en train de préparer ton âme pour le ciel. Tout ce que nous mettons sur nos corps, ça va se finir un jour. Amen. Même si tu veux, ta pommade n'a pas coûté 1 million. Il faut avoir le tel de rêve que tu veux. Il suffit de tomber par là 2 jours. Ce tel de rêve, c'est fini. Parce que tu n'auras même plus envie de prendre la pommade et puis de commander. C'était un repas, je me dépendais. Je prenais le produit pour plaisir et autres. Quand c'est comme ça, tu dois être toujours dans la gare, en fait. Tu ne dois pas arrêter. Tu n'as pas d'argent. Si ton argent est fini, tu dois te donner crédit pour payer ta commande. Pour pouvoir toujours garder ce terrain. On appelle ça la convoitise. On appelle ça l'idolâtrie. Et la Bible déclare que les idolâtres ne vont jamais hériter le royaume des cieux. Si tu aimes ton corps, ta peau, tu es noir, tu as tout fait pour être clair, et tu fais tout pour ne pas te devenir noir, bien aimé, c'est de l'idolâtrie. Tu t'adores toi-même, tu te regardes dans la glace tellement tu te trouves jolie, tu te dis, il faut que tu mettes tes rondeurs dehors, il faut que les autres te regardent. Mais qu'est-ce que le Seigneur Jésus dit? Il dit, ce n'est pas quand tu commets l'acte que tu as commis la justice. Si tu es mal appris, que quelqu'un te regarde et puis que qu'on voit dans son cœur, en ce moment-là, tu as déjà commis la justice avec la personne. Donc, imaginez, je m'appuyais mal. Je m'appuyais mal. Et je me promenais. Combien de personnes ont couché avec moi spirituellement? Et quand tu vas avec cette personne spirituellement, vous partagez les esprits. Donc, imaginez que mon âme n'était pas propre. Mon âme n'était pas dans la sainteté. Mon âme n'était pas dans la pureté. Mon âme n'était pas dans la sanctification. Du coup, l'image de mon âme ne pouvait pas rentrer au ciel. Alors le Seigneur, comme il voulait me faire grâce, il m'est passé par la maladie. Parce que si ce n'était pas la maladie, si c'était la faim, j'allais trouver quelqu'un pour me donner à manger. Mais la maladie, tel que ça s'est passé, si ce n'est pas le Seigneur Jésus, lui seul, qui pouvait venir à mon secours, il n'y avait personne. Il n'y avait personne. Personne du tout. Que l'homme quitte son père et sa mère, s'attache à sa femme, les deux deviennent une seule chair. Mon mari était à mes côtés du début jusqu'à la fin. Mais quand je devais partir, j'étais partie toute seule. Le salut, il est personnel. Chacun doit veiller sur son âme. Tu dois veiller sur son âme, ton âme. Si tes parents te disent que pourquoi tu es devenu comme ça, tu dois retourner à ton commis, porter les habits pour te faire chuter. L'homme vient te pousser. L'homme, je vous dis la vérité, les hommes, ils aiment les femmes en mari. Quand vous partez dans les supermarchés, vous payez les articles, surtout la nourriture, ce qu'on mange, et puis ça fait du bien au corps. Vous aimez les nourritures qui sont emballées, bien conservées, ou bien les nourritures qui sont ouvertes et puis les mouches sont dessus. C'est quelle nourriture vous privilégiez? C'est la nourriture emballée. C'est ça, c'est ce que les hommes aiment. Donc quand tu es bien, ta peine, ma chérie, tu es jolie, ils te montrent, ce sont de gros menteurs. Ce sont de gros menteurs. Et les diables les utilisent pour envoyer plein de femmes en enfer. Le diable utilise les hommes, ils nous blâment. On s'habille comme eux veulent. On ne s'habille pas comme le Seigneur Jésus le veut. Alléluia. Aujourd'hui, nous devons plaire uniquement au Seigneur Jésus. C'est ça le plus important. Que nous avons mouru. Mais la Bible dit que la mort, là, normalement, c'est un gain. La mort, là, c'est une bénédiction pour un enfant de Dieu. Quand tu as vécu dans la pureté, dans la sanctification, même quand tu meurs, tu vis éternellement. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Tu vis éternellement. Donc, quand tu es là et tu fais pour le Seigneur Jésus, la mort ne doit pas te faire peur. C'est même quand la mort vient, tu as l'assurance, tu as la ferme assurance, la conviction que tu seras avec le Seigneur Jésus. Mais ça se passe sur la terre ici. Il faudrait qu'on prépare notre départ. Il faudrait qu'on prépare notre départ. On prépare aussi notre arrivée. Gloire à Jésus. Moi, je n'avais pas eu le temps de préparer ni mon départ, ni mon arrivée, ni quoi que ce soit. J'ai passé tout le temps à me faire plaisir moi-même. J'ai passé tout le temps à faire plaisir à mon mari. J'ai passé tout le temps. On peut faire plaisir à nos maris, mais dans la sainteté.
correct. Il faudrait que ça soit, je ne sais pas comment dire ça. Il faudrait que ça soit conforme à la sainte doctrine. Alléluia, dans la soumission, dans la paix. Parce que toi aussi, ton âme, un jour, le Seigneur te demandera de compte. Qu'est-ce que tu as fait du corps que je t'ai donné? Nous sommes des branchés sur cette terre. Nous sommes des branchés. Nous allons rentrer chez nous un jour. Mais est-ce que notre papa, il ouvrira la porte pour dire bonne année, mon enfant? Est-ce qu'il ne va pas te jeter dans le feu? Le Seigneur, il est à nous. Lui, il est à nous. Mais il dit, rien de plus ne rentrera dans son royaume. Rien de plus. C'est le même lien aujourd'hui, peut-être. C'est lui qui a frappé Sodome et Gomorrhe. Il est encore là. Il peut frapper à tout moment. Ce que nous devons faire, c'est de ranger nos vies. C'est de ranger nos vies. Vraiment, l'état de notre âme. Moi, je n'avais pas fait ça. Et ça a failli vraiment me coûter mon âme. Je ne parle même pas de mon corps, parce que mon corps était fini. Le corps qui est là, il est très ingrat. Rappelez-vous, même quand vous prenez un moment de jeûne, mais il commence à changer. Il combat le fait de spirituel. Pendant que tu es en jeûne et que tu maigris, ne regarde pas le physique. Regarde plutôt à ton âme qui prend du volume. Regarde plutôt à ton âme qui grossit. Regarde plutôt à ton âme qui est fortifiée. Regarde plutôt à ton âme qui est en train de vivre la sanctification, en train de vivre la pureté. Regarde plutôt à ton âme qui est en train de prendre vraiment du tonus. Pendant que le corps, c'est le corps qui combat l'âme. Alléluia. Donc même si nous devons donner la nourriture à notre corps, nous devons plus donner la nourriture à notre âme. Parce que c'est l'âme qui sera notre témoin demain. Le corps ne sera pas ton témoin. Le corps va finir ici, c'est la poussière. C'est la poussière. Mais l'âme ne meurt pas. Soit ton âme vit éternellement, soit ton âme meurt éternellement. Qui veut mourir éternellement? Pour la mort, par la grâce du Seigneur. Le Seigneur m'a fait la grâce. Et il m'a montré de mes propres yeux. Il n'a pas pris les yeux de mes peuples. Il n'a pas pris la bouche de mes peuples. Parce qu'il connaît mon cœur. Il savait que s'il passait à des hommes de Dieu pour évangéliser, peut-être j'allais revenir à la sainte doctrine, mais j'allais retourner à mon vomi. Parce que j'étais trop dedans. J'allais retourner à mon vomi. J'allais perdre Satan. Donc il fallait que lui-même me fasse passer par la maladie, par la douleur, par l'extrême douleur, pour qu'au sortir de là, je sache que c'est lui qui m'a racheté, que je sache que c'est lui qui m'a redonné la vie, que je sache que c'est lui qui m'a restauré, que je sache que c'est lui qui a essuyé mes larmes, que je sache que c'est lui qui m'a repositionné, que je sache que c'est lui qui m'a relevé de la boue et qui m'a lavé, qui m'a transformé, pour que je ne promène pas tout parler de lui. Gloire à Jésus. Et c'est ce que je suis en train de faire. Alléluia. Depuis que je suis né, je n'ai jamais fait de bonne chose que prendre le micro et parler de la part du Seigneur. Et c'est ça qui me fait, c'est ça qui me donne au fait l'envie, c'est ça qui me donne le courage. En tout cas, c'est vraiment une très belle chose, c'est le meilleur travail. Alléluia. C'est le meilleur travail parce que quand tu fais pour le Seigneur, forcément, il fait pour toi. Même si, sur cette terre, tu ne vois pas la retombée, ne t'inquiète pas. Il y a des bénédictions là-bas, on ne pourra pas le voir sur la terre. Mais ça nous attend là-haut. Ce qui nous attend là-haut, là, ça n'a rien à voir avec ce qui est sur la terre. Parce que ce qui est sur la terre, ça va finir. Tu pries le Seigneur, mais tu marches toujours, tu n'as pas de véhicule, ne t'inquiète pas. Au ciel, là, tu n'auras même pas besoin. Ce que notre papa a prévu nous donner, ça n'a rien comparé au jet privé des présidents. Nous sommes des enfants du royaume. Alléluia. Et le résultat qui nous attend, ça n'existe pas sur cette terre. Même l'homme le plus riche, le plus milliardaire, le plus nautique de cette terre ne pourra même pas se comparer au petit, c'est-à-dire le plus petit. Seigneur aura donné à un de ses enfants dans le royaume. Ça n'existait pas sur cette terre.
parler de Jésus, crier Jésus, et puis au soir de ta vie, que ton papa te dise, arrière de mon ouvrier d'humilité. C'est ce qui fait que tu m'as. Et c'est ce que j'ai vécu. Alléluia. C'est ce que j'ai vécu. Après la maladie et après l'opération, j'étais une infection, on ne sait même pas une infection qui était. Ils ont dû réouvrir la plaie et recoudre sans anesthésie. J'ai vécu tellement de douleurs aujourd'hui. On peut me prendre, on peut prendre le couteau de couper. Ça ne m'a rien de dit parce que je ne regarde plus ces choses-là. J'ai vécu pire que ça. Donc que je parle d'évangéliser, quelqu'un me crache là-dessus. Que je parle d'évangéliser, quelqu'un me frappe. Ce n'est plus mon problème. Moi, mon problème, c'est comment je vais faire pour ne pas périr en enfer. Parce que là-bas, je ne sais pas comment c'est, mais il y a toujours la place. Ça ne va jamais se romper. Il y a toujours la place. Les gens descendent à tout bout. Les gens descendent à chaque seconde. Les gens descendent tous les jours. Comment faire pour éviter ce lieu? C'est maintenant que ça se prépare. Gloire à Jésus. C'est maintenant que ça se prépare. Le Seigneur a mis ses ministres. Il a mis les hommes de Dieu au-devant de nous pour nous enseigner. Nous devons écouter. Nous devons écouter. Et aussi, c'est bien d'écouter, mais nous devons vivre aussi. Nous devons marcher conformément à la sainte doctrine. Moi, je ne savais même pas c'est quoi la sainte doctrine. Je n'ai jamais lu ça même dans la Bible. Je ne connaissais même pas qu'il y avait un verset qui parlait de sainte doctrine et qu'il fallait se débrouiller et qu'il fallait faire ceci, qu'il fallait faire cela. Donc, moi, j'ai vécu comme le riche. Je n'étais pas riche. Je me suffis, mais je vivais comme je voulais. Je pouvais manger ce que je n'avais même pas de soucis. Je n'avais pas de problème jusqu'à ce que le Seigneur m'attende à ce carrefour. J'ai vu la lumière, lui. J'ai vu la lumière. J'ai été devant le portail du ciel. Je ne suis pas rentré. Malheureusement, parce que mon corps, mon âme, mon esprit n'étaient pas conformes à la sainte doctrine. Alléluia. Mon corps, mon âme, mon esprit n'étaient pas conformes à la sainte doctrine. Le Seigneur m'a reproché tout ce que vous pouvez imaginer. Les faux cils, les faux cheveux. Je me dépigmentais la peau. Je suis africaine. Je vais être plus. Comme nous, les Africains, on n'aime pas ce que le Seigneur, parce que le Seigneur nous a créés. L'homme même sa femme, la femme africaine, elle ne s'aime pas. Donc on dépigmente l'eau, on se dépigmente la peau pour devenir blanche. On défrise nos cheveux pour avoir cheveux lisses. Dès que le Seigneur nous a donné cheveux crépus. Le Seigneur m'a reproché tout ça. Dès que le Seigneur t'a créé, c'est comme ça que tu dois rester. Du moment où tu cherches à ajouter quelque chose ou bien à changer quelque chose, tu corriges ton créateur. Alors que la Bible dit, malheur à celui qui corrige le Seigneur. C'est-à-dire que tu contestes avec Dieu. Tu contestes Dieu. Tu as un problème comme ça. Alléluia. Tu contestes Dieu, tu as un problème. Ce que le Seigneur a fait, il a dit quoi? Que nous sommes une créature vraiment merveilleuse. Tout ce que le Seigneur a fait, qu'il a créé dans le livre de Genèse, il a été dit, tout était bon. Donc si le Seigneur t'a créé, tu es bon. Prendre ça comme ça. Le Seigneur t'aime comme ça. Tu es grande, il faut prendre comme ça. Tu es noir, prends. Tu es blanche, tu es métisse, tu es grasse. C'est le Seigneur qui a voulu. Tu n'as pas de fesses, c'est pas grave, c'est pas forcé. Tu avais porté couche pour dire que tu as fesses. Tu meurs, le Seigneur va te demander des comptes. Tu n'as pas sain, c'est pas grave, pas le chiffon dedans. Parce qu'on appelle ça le mensonge. Aucun menteur ne pourra rentrer dans le royaume. Si tu es menteur, c'est que tu as le père du diable. Parce que c'est le diable qui est le père du mensonge. Tous les enfants que tu vas avoir, ce sont les enfants du diable. Toute ma génération, ta descendance, vous tous vous mourrez, descendant l'enfer. Alléluia. Et j'ai demandé pardon. Pour pouvoir aller vers la lumière, le Seigneur a dit non. Et je me suis retrouvée dans le séjour des morts. Là où le riche, c'est vrai. Là où le riche a été jeté, j'ai vu l'entrée où j'ai vu la lumière qui sortait du séjour
a été envoyé, mais je n'étais pas digne de rentrer là-bas. Et je suis allée là où tu vis, quand tu vis comme tu veux, quand tu descends. Alléluia. Et le Seigneur m'a fait voir, je ne suis pas descendue. Ce que j'ai vu, la Bible dit, qu'on n'ajoute rien, qu'on ne retranche rien. Ce que le Seigneur t'a montré, il faut dire ce qu'il t'a montré. S'il a montré autre chose à quelqu'un d'autre, la personne aussi va dire pour vous. Alléluia. Moi, je ne suis pas descendue dans le séjour des morts pour me promener dans les compartiments pour voir qui était là-bas. Je n'étais pas descendue. J'ai été une spectatrice, accrochée à un château de feu, emprisonnée dans une cage. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée là-bas. Je ne sais pas s'il y a un mot pour décrire. Si quelqu'un peut décrire ce qui se passe là-bas. Mais je ne sais pas. L'obscurité totale. C'est le chaos. Le chaos, quand on dit chaos, là, c'est le chaos total. Et tout le monde là-bas crie, Jésus sauve-moi. Jésus sauve-moi. Jésus sauve-moi. Jésus sauve-moi. Jésus sauve-moi. Parce qu'en réalité, c'est Jésus seul qui sauve. Tu es sur la tête si tu es bouddhiste. On te parle, tu dis non, laissez-moi. Tu es kanka, on te parle, tu dis non, laissez-moi. Tu es musulman, on te parle, tu dis non, Allah est Dieu. Là-bas, là, il y a un grand, je n'ai pas entendu là. Tu es catholique, on te parle de l'idolâtrie, tu dis non, Marie est mère de Dieu. Dieu n'a pas de mère. Alléluia. Dieu est saint. Il n'a pas de mère. Gloire à Jésus. Donc si tu es un homme, il faut quitter. C'est du mensonge. Les mentons n'hériteront pas le royaume de Jésus. C'est Jésus ou rien. Alléluia. C'est Jésus ou rien. C'est Jésus qui sauve. Personne d'autre à part Jésus. Tout ce monde qui était dans le feu, qui criait, vous n'allez pas me dire que tout le monde. Tout le monde était chrétien. Non, aujourd'hui, même dans les coins de la rue, on ne voit personne. Il y a un qui est athée. Tu vas te poser la question à l'autre. Il va dire il est chrétien. L'autre va dire je suis chrétien catholique. Tu prends cinq personnes. Tu as six religions. Tu n'as même pas cinq religions. Tu as six. Parce qu'il y a d'autres même. Ils sont encore francs-maçons. Mais là-bas, tout le monde crie Jésus. Alléluia. Tout le monde crie Jésus. Ça veut dire que Jésus. Comme le dit la Bible, dans les cieux, sur la terre, dans les profondeurs de la terre, partout, tout genou fléchit et tout le monde confesse que Jésus-Christ, il est Seigneur. Alléluia. Quand on prend le livre d'Apocalypse, où il y avait le livre qui était scellé de sept sceaux, il fallait quelqu'un pour regarder même le livre et ouvrir le rôle de sept sceaux. La Bible dit, dans le ciel, sur la terre, il n'y avait personne. Mais il y a quelqu'un qui a été trouvé digne. Alléluia. Apocalypse 5. Il y a quelqu'un qui a été trouvé digne. Et la Bible dit qu'il est celui qui a été trouvé digne de regarder le livre et d'en prendre cette chose. Son nom, c'est le lion de la tribu de Juda. Alléluia. Gloire à Jésus. Son nom, c'est le lion de la tribu de Juda. Et comme le Seigneur, il vient toujours donner une deuxième écriture. Pourquoi on dit ce que c'est qu'il dit là, c'est vrai. On dit c'est le lion de la tribu de Juda qui a été trouvé digne. Qui est le lion de la tribu de Juda? C'est notre Seigneur Jésus-Christ. C'est un peu plus bas. On dit c'est l'agneau. L'agneau qui était comme immolé. Qui est l'agneau de Dieu immolé? Jésus-Christ de Nazareth. Donc c'est Jésus qui a été trouvé digne. De regarder ce livre et de rompre cette chose. Quand la Bible dit cette personne dans les cieux sur la terre, Allah était où? Bouddha était où? Où on cherchait quelqu'un pour regarder le livre et de rompre cette chose afin de briser la malédiction. Qui était là? Personne. Mais notre Dieu, qui est le Dieu suprême, qui est le véritable Dieu. Qui est le lion de la tribu de Juda, l'agneau de Dieu immolé, c'est lui seul qui a été trouvé digne. Alléluia. Et c'est lui qui s'est donné à la croix de Golgotha pour payer notre rançon. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Donc c'est ce Dieu
chercher Jésus, c'est que tu as tout perdu. Tu peux tout avoir dans ta vie, mais si tu n'as pas Jésus, mon frère, ma soeur, si tu n'as pas Jésus, tu n'as rien. Et tu peux ne rien avoir, mais si tu seulement tu as Jésus, mon frère, ma soeur, tu as tout. Alléluia. Tu peux être pauvre, mais si seulement tu as Jésus, ta richesse, le milliardaire de la terre n'est pas seulement parti à toi. Parce que tu as l'éternité, la vie éternelle. Tu as l'éternel comme Dieu. Tu as le véritable comme Dieu. Tu as l'ancien des jours comme Dieu. Le lion de la tribu de Juda est ton Dieu. La femme de l'État est ton Dieu. Le Dieu puissant. Si tu l'as dans ta vie, tu as tout eu. Alors, étant accroché à ce château de Dieu, je crie au véritable Dieu. J'étais chrétienne, je savais que Jésus existait. Je savais que Jésus pouvait me sauver. Mais je n'avais pas le contour, tout ce qui est fondement de la sainte doctrine, tout ce qui est contour et autres, je ne savais pas tout ça. Mais ce que je savais, c'est que si je me retrouvais dans la détresse et que je priais à Jésus, il pouvait venir me sauver. Je suis sûr que plusieurs se sont retrouvés dans la même situation que moi, mais ils sont restés là-bas. Moi, le Seigneur m'a fait grâce et il m'a dit, va, je te laisse partir, va. Mais si tu vas là, va dire au monde entier que je ne suis pas dans les mèches. Écoutez-moi très bien. Toi, femme, tu mets les mèches, tu meurs, tu vas pas au ciel. Il y a quelqu'un qui me disait un jour que c'est toi seul ton expérience que tu as vécue avec le Seigneur. Je te dis, ce que tu dis là, c'est la vérité. Parce que je n'ai pas vécu ça avec quelqu'un. Mais le Seigneur m'a dit, va et dis à mon église. Si tu ne fais pas partie de l'église de Jésus, alors tu diras que c'est vraiment sûr. Mais si l'église de Jésus s'est composée de tout le corps de Christ, alors ce message n'est pas vraiment sûr. Ce message est pour tout le monde. Donc tu veux, tu veux pas. Si tu veux, ne dis pas ta sainteté. Mais il y a un jour, un bon jour, tu te souviendras de moi. Tu te souviendras de ce que je suis en train de te dire. Gloire à Jésus. Donc, si tu mets les mèches, que tu aspires un jour à aller au ciel, arrête de mettre les mèches. Si tu t'es dépigmenté la peau, tu aimes Jésus dans ton cœur, tu n'as aucune idée de ce que veut dire la sainte doctrine, tu n'as jamais entendu parler de ça, aujourd'hui tu m'entends, tu m'écoutes. Si tu as Jésus dans ton cœur, tu veux un jour rentrer dans son royaume, si tu te dépigmentes la peau, arrête de te dépigmenter. Sinon, si tu continues, tu ne verras pas le Seigneur. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Arrête de mettre tout ce qui est faux sur toi. Faux cheveux. Faux visage. C'est-à-dire que tu te maquilles jusqu'à le démon du maquillage là-même se représente sur ton visage. Ce n'est plus toi, mais c'est une sirène qu'on voit. Amen. Amen. Il faut arrêter ça. Si tu continues de porter le pantalon, il faut arrêter. Le pantalon n'est pas fait pour la femme. Le pantalon, là, c'est pour l'homme. C'est pour l'homme. Parce que la femme, c'est la pudeur. La femme, on ne doit pas voir la femme comme ça. Tu portes le pantalon et en allant quelque part, tu as vraiment un besoin pressant. Tu veux peut-être humilier. Attends, tu vas enlever la fermeture, tu vas faire des scènes magiques dans un cas. Tous les hommes vont tirer être comme ça pour te regarder parce que ce sont des impudiques. Et tout le monde va voir ta nudité. Mais si tu as mis un gros bout, une grosse robe, tu vas t'asseoir, tu vas te libérer doucement, tu vas te lever, tu vas monter dans le cas. Personne ne verra ta nudité. Un homme qui a porté le pantalon, il va s'arrêter simplement, on ne verra rien même. Il va finir de se soulager tranquillement parce que chaque chose a sa place. Alléluia. Le pantalon n'est pas fait pour la femme. On dit à pantalon pour femme. Péché, c'est péché. Il n'a pas péché de l'homme, il n'a pas péché de femme. Péché, c'est péché. L'âme qui pêche, c'est cette âme-là qui mourra. Alléluia. Donc nous devons veiller sur nos âmes. Ton corps, là, tu peux se moquer de ton corps, elle est laissée. Moi-même, là, si je peux te moquer de moi-même, je commence déjà à me moquer de moi-même. Je suis découragée. Tu es découragée. Je vais te poser la question, quand tu me regardes,
dans ma sainteté, sans ma carrière, je dis que tu es plus jolie que moi. C'est pas Jésus qui m'a fait. Mais ces femmes, c'est-à-dire vous-même, vous dénigrez vous-même. Quelqu'un vient de se moquer de toi, commence à te moquer de toi-même, en t'appréciant. Là, mais tu te maquilles plus, tu portes plus de temps en temps, regarde comment tu es devenu, tu dis, je n'ai jamais été aussi belle. Je n'ai jamais été aussi belle. Les gens seront découragés. Ils seront découragés, je te dis, mais pourquoi tu portes des grosses robes, tu balais les rues, je dis, le même, le père, tout ça. Alléluia. Je balais les rues, papillon, on me paye. Où est ton problème? C'est moi-même mon savon, je prends pour laver mes robes. Imagine, remarquez quelque chose. Quand on était dans le monde et puis on s'habillait mal, personne ne nous a interpellés. Vous dites, mais pourquoi tu t'habilles comme ça? Faut changer, personne. Mais quand tu viens à la scène d'autrui et que tu commences à bien t'habiller, c'est là les gens viennent. Mais pourquoi tes robes là sont longues comme ça? En réalité, c'est Satan qui les envoie. Pour pouvoir te décourager. Pour pouvoir te décourager. Quand quelqu'un commence à te dire ça, tu le regardes droit dans les yeux. Tu lui dis, arrête de moi, Satan. Amen. Tu lui dis, arrête de moi, Satan. Ah, c'est fini. Ces ailes sont mouillées, ces ailes sont coupées. Parce que c'est Jésus qui est en toi. C'est Jésus qui te permet de t'habiller correctement. Et aussi, il faut voir avoir la crainte de Dieu. Tu n'as pas la crainte de Dieu. Tu n'as pas la crainte de Dieu, tu ne peux pas grandir spirituellement. Tu n'as pas la crainte de Dieu. Tu seras une vierge, mais tu ne seras pas sage. Tu seras une vierge, mais qui est folle. Parce qu'elles ne sont pas à la destination. Tu as la crainte de Dieu, la véritable crainte de Dieu. Tu vas veiller à ce qu'il y ait de l'huile dans ta lampe. L'époux viendra et il ne va pas te surprendre. Tu seras là à l'attendre. Parce que tu t'auras préparé pour le royaume de Jésus. Alléluia. Amen. Donc si tu écoutes et que tu mets les talons, tu corriges Dieu. Amen. Amen. Moi, je ne mettais pas trop les grosses boucles, les crayons, les femmes mettaient beaucoup et les grosses chaînes. J'étais vraiment très discrète. Les petits bijoux, en tout cas, petits boucles d'oreilles, petits comme un point. Mais le Seigneur dit, quelle que soit la taille, c'est-à-dire que ça ne va même pas toucher ton corps. Parce que si tu as mis petit seulement, c'est fini. Bijou, c'est bijou. La part de ma mère, c'est un bijou. La seule alliance, c'est l'alliance avec le Seigneur Jésus-Christ. Ça s'est passé à la croix de Golgotha. Gloire à Jésus. Amen. S'il y a une autre alliance, elle ne vient pas du Seigneur. L'alliance de sang, le Seigneur a versé son sang, il a payé notre dot. Maintenant, percé au règne, le sang percé. C'est un honneur, je ne sais pas, c'est pour rendre gloire à Dieu. Si le Seigneur voulait que nos oreilles soient percées, vous pensez qu'à l'accouchement, l'oreille n'allait pas être percée. Parce que les narines, il sait qu'on va respirer, il a mis deux ici. Pour ceux qui aiment bien respirer, les narines sont bien larges. Gloire à Jésus. Il ne faut pas penser que c'est une malformation. Amen. C'est parce que tu as plus besoin d'air que les autres. Amen. Amen. Donc tu n'as pas besoin d'aller progresser ton nez pour avoir un nez petit comme ta soeur. Tu vas respirer comme moi. Tout ce que le Seigneur a fait, là, il a tellement bien fait les choses, tout est parfait. Tu es un gros nez, tu as besoin de respirer plus d'air que l'autre. Tu es un petit nez, toi l'aide dont tu as besoin de faire un peu seulement. Tu n'as pas besoin d'aller faire grossir ton nez. Tu dis au Seigneur, moi je respire beaucoup, tu m'as donné un petit nez, je vais augmenter. Tu n'as pas corrigé le Seigneur. Gloire à Jésus. Si le Seigneur t'a créé une femme coûte, il ne faut pas chercher ta langue, t'envoyer un homme qui est grand pour prendre tes affaires pour toi. Gloire à Jésus. C'est vrai, ça fait rire, mais c'est la vérité au fait. Remarquez, les femmes qui ne sont pas grandes de taille, elles ont des mamies qui sont grandes. Les hommes qui ne sont pas trop grands, elles ont des femmes qui ont la taille.
Tu n'as pas quelque chose à accuser, lui-même vient que ma femme laisse. À cause de ça, Dieu m'a mis auprès de toi. Tiens, c'est pas fini. Mais tu t'auras soulevé ta l'ombre pour porter. Et puis tu cherches ma vie. Le monsieur, normalement, qui est grand, il va venir te prendre. Quand il te regarde, ton talon, là, voici comment ça te fait. Il dit, non, c'est là, moi, je suis trop grand, j'ai besoin d'une femme un peu normale. C'est dit, on détruit tout nous-mêmes. Le Seigneur a tout fait bien pour nous donner. Nous-mêmes, on cherche les détruits. On cherche les détruits. Et finalement, on détruit tout. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Nous devons revenir à la base. Nous devons revenir à Jésus. Tu prends la parole de Dieu pour que tu sois enraciné à la parole de Dieu. La parole de Dieu, la sainte doctrine, c'est notre miroir. Si tu veux voir si tu es joli ou bien si tu n'es pas joli, prends ta Bible, médite et puis vérifie avec ce que tu dis. Tu vas te corriger. C'est ça la beauté de la femme. Amen. Alléluia. Amen. Tu veux être belle, enracine-toi dans la parole. Amen. Tu veux être jolie, enracine-toi dans la parole. Tu pourras transmettre cette beauté à tes enfants. C'est l'enseignement, la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Donc les bagues de mariage, c'est des bijoux. Quelqu'un peut me montrer un passage biblique où quelqu'un allait se marier et puis ils ont porté bague. Ça n'existait pas. Alléluia. Moi, le Seigneur m'a montré clair. J'étais tellement attachée à cette vague. Avant même de rentrer au bloc, la Libanaise est venue me préparer pour le bloc. Elle m'a fait la fête, j'enlevais tout. Déjà, nous, je ne portais plus de mèche. Mon dépouillement avait commencé comme ça. Je ne portais plus de mèche, je saignais, donc je portais les gros habits. C'est maintenant que j'ai vu que les cheveux, là, je ne peux plus porter. Il faut que j'attache ma tête. La dame avant de rentrer au bloc, elle m'a dit, madame Kako, on ne va pas au fond avec les ornements. Ornements, là, c'était ça. Quand on va au fond, là, quand on voyait Dieu dans ta vie, et puis tu vas au fond, tu n'as pas de Dieu branché sur toi si ce n'est que Jésus. Tu as un Dieu branché sur toi, tu vas rester sur le champ de bataille. Amen. Tu as un Dieu branché sur toi, le Seigneur ne va même pas te visiter. Parce que notre Seigneur Jésus, il a horreur. On doit l'aimer lui et lui seul. Quand tu vois un Dieu branché sur toi, automatiquement, il se retire. On va au front. Quand tu vas faire par la bataille, tu as Jésus dans ta vie, il ne faut pas compléter notre Dieu. Le Seigneur, on ne lui vole pas sa gloire. Amen. Amen. Tout ce conseil m'a dit d'enlever avec beaucoup d'hésitation. Tellement j'aimais mon pauvre gens que je suis mariée. Vous savez, les gens disent que je peux faire bonjour. Et puis, on regarde bonjour avec les diamants dessus. On ne savait pas qu'on jetait l'argent à la poubelle alors que les veuves sont là, les orphelins sont là. Des bacs qui coûtent près de millions qu'on pouvait prendre pour les aider. Alléluia. Mais nous, on prend ça pour faire mature. Mature, c'est la mort. Mature, c'est le tombeau. Il n'y a rien dans le tombeau, c'est la mort. Et ce n'est pas n'importe quel mot, c'est la mort éternelle. Tu meurs éternellement. Et j'ai demandé au Seigneur, après l'opération, je continuais toujours de porter ma bague. Le Seigneur m'avait dit de dépouiller tout et tout. J'avais accepté de tout faire. Mais ma bague, je n'arrivais pas à m'en débarrasser, puisque c'est une alliance que j'ai tissée avec le monde des autres. Donc, il fallait briser maintenant cette alliance-là. J'ai tout fait, je ne pouvais pas. En journée, je dors. Si j'ai oublié sur mon doigt et que je dors avec, je fais des cauchemars jusqu'au matin. Soit je peux me réveiller au milieu de la nuit. Quand j'enlève, je dépose, je dors normalement. Mais le lendemain matin, quand je me lève, je soulève doucement ma chose, je mets sur mon doigt. Et ça va commencer à me tourmenter. La nuit, quand je porte, le Seigneur m'envoie des songes. Ou dans le songe, mon alliance est perdue. Je cherche, je ne vois pas, je cherche. Et quand je rentre dans la cuisine, je retrouve ça sur la fermeture de la poubelle. Premier songe, quand j'ai vu sur la fermeture de la poubelle, j'ai récupéré
J'ai porté, je me suis réveillée. J'ai dit, c'est quoi ce songe? Le lendemain, même chose. Donc ça commençait à me troubler. J'ai dit au Seigneur, si tu n'es pas de l'homme, moi là où je suis, là, je ne veux même plus avoir problème avec toi. Si tu sais que ce n'est pas de toi, montre-moi clairement que ce n'est pas de toi pour que je puisse m'en débarrasser. Mais si je dénonce, faut pas savoir me tourmenter aussi. Troisième songe que le Seigneur m'envoie, la bague est perdue. Dans le songe, je cherche, j'arrive dans ma cuisine, voici la bague qui est posée sur le couvert de la cuisine. J'ai récupéré la bague, j'ai porté. Quand j'ai porté la bague, je me suis réveillée. Troisième songe, j'ai dit non, c'est pas possible. Je ne peux pas faire un songe comme ça, 3 jours d'affilée, c'est pas normal. J'ai prié, je me suis recouchée. Le Seigneur m'envoie un songe. Où dans ce songe, j'ai relevé l'alliance et j'étais en train de brûler. J'ai brûlé l'alliance. J'ai mis du pétrole avec des trucs. J'ai brûlé jusqu'à ce que c'est devenu noir. Et quand c'est devenu noir, je suis allée, j'ai déposé ça sur le couvercle de la poubelle. Et quand j'ai déposé sur le couvercle de la poubelle, le Seigneur me dit, brûle encore, j'ai repris, j'ai rebrûlé encore. Et cette fois-ci, le Seigneur me dit, il y a la décharge qui va passer tout à l'heure. Dès que ça passe, quand tu sors de ta maison et tu jettes à la poubelle, comme ça, ça quitte ta maison. Et je me suis réveillée. Quand je me suis réveillée, j'ai hésité. Et vers 13h, 14h, j'avais oublié même que la décharge d'ordure passait entre 15h et 16h. Donc vers 14h, je me suis levée. J'ai pris ma part, j'ai pris mon mari aussi. J'ai mis dans un lotus, j'ai mis du pétrole, j'ai commencé à faire brûler ma part. J'ai brûlé une première fois, c'était pas bien noir. J'ai remis encore le feu. J'ai brûlé jusqu'à ce que ça devenait bien noir. J'ai ramassé, j'ai pris du papier lotus, j'ai ramassé. Mes frères et sœurs, dès que j'ai fini de ramasser, j'entends pom pom, ma voiture passer. Physiquement, là, c'était plus en fond dans le son. Et j'ai ramassé, je suis sortie comme dans le sens que j'ai jeté dans la décharge. C'est comme ça que je me suis débarrassée de la mise. C'est parti. Alléluia. Amen. Donc, aujourd'hui, si il y a encore du doute en toi, va sur tes genoux. Prie le Seigneur. Le Seigneur qui ne veut pas que tu te perdes. Il va se révéler à toi. Il va se révéler à toi à tous les coups. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Donc nous ne devons pas suivre le monde. Et si tu as décidé de quitter le monde, tu dois vivre la sainteté. Tous les jours de ta vie, ce n'est pas un seul jour. Alléluia. Amen. Donc c'est comme ça. Le Seigneur, vraiment, il a eu compassion de moi. Il m'a ramené. Je ne suis pas restée au séjour des morts. Le feu m'a brûlé. Le feu m'a brûlé. J'ai tellement crié. Où j'étais accroché à tout mon dos était devenu plein. Jusque dans la vie même réelle, tout mon dos était devenu plein. C'est mon mari qui a soigné mes plaies. J'étais couché, je ne pouvais pas me lever. J'étais devenu maigre. Je ne pouvais plus rien faire. Mais le Seigneur qui ne dort pas. Le Seigneur qui nous rachète. Il m'a racheté. Il a mis encore la chair sur mes os. Il a même augmenté la chair sur mes os pour que je puisse avoir encore la voix pour parler de lui, pour dire ce qu'il a fait pour moi. Ce qu'il a fait pour moi, là. Si tu vis ça, ne t'inquiète pas, le Seigneur peut le faire pour toi. Le Seigneur peut le faire pour toi. Il peut le faire pour toi. Nous sommes ses enfants. S'il m'envoyait ici de parler, c'est parce qu'il ne veut pas que tu restes dans ton état. Il y a des gens qui sont dans la scène doctrine. Nous sommes considérés comme des 10 vierges. D'autres sont sages, mais d'autres aussi sont des vierges qui sont folles. Ne fais pas partie des folles. Fais ton effort pour faire partie des sages. Parce que cette sagesse va te faire voir le Seigneur. Cette sagesse, ça va te faire
vois le Seigneur. Moi, je faisais partie des vierges. Et les vierges étaient vraiment folles. Moi, j'étais plus folle que ce que la Bible a décrit. Mais le Seigneur a eu compassion. Quand j'ai crié à lui, il a eu compassion de moi. Et j'ai avoué tous mes péchés devant tout le monde. J'ai tout dit, ce que je faisais dans le secret, j'ai dit. J'ai crié au Seigneur, j'ai dit pardonne-moi. Tu es venu pour les malades, tu es venu pour les pécheurs. Moi, il n'y a pas plus pécheur que moi dans le monde. Il a vu la sincérité de mon cœur et il m'a fait grâce. Et quand le Seigneur te fait grâce, le Seigneur se révèle à toi. Il ne te laisse pas dans ton état. Il te montre là où tu dois aller. Il te montre ses ministres pour que tu puisses avoir le bon pain à manger. Le pain à sa parole de Dieu. Le pain à son Seigneur Jésus-Christ lui-même, le pain qui est descendu du ciel. Alléluia. Le véritable pain, la sainte doctrine, pour nourrir ton âme, préparer ton âme à son avènement. C'est comme ça que le Seigneur m'a montré notre Père à la foi. Et le jour où je me suis rendue chez eux, j'étais surprise parce que toutes les femmes étaient habillées comme le Seigneur me l'avait montré. Et ça a été une grande joie pour moi. Et je suis restée là. En réalité, il y en a très peu de nourriture ici. Parce que moi, sincèrement, je mange bien. Et quand je mange, je garde aussi pour donner à mes enfants. C'est pourquoi quand vous venez à l'église, venez avec vos enfants. Amen. Quand les ministres de Dieu vous prêchent la parole, donnez cette parole aussi à vos enfants. Arrivez à la maison, parlez à vos enfants, ayez une vie de prière. Transmettez cette vie de prière à vos enfants. Transmettez la vie de sanctification. Parce que si tu reçois et que tu t'assois dessus, la parole qui dit, si tu es sauvé, ta famille aussi doit être sauvée. C'est que tu mets une croix sur cette parole. Nous devons donner l'enseignement, la véritable parole que les hommes de Dieu, les ministres de Dieu nous donnent par le biais du Saint-Esprit. Nous devons transmettre ça à nos enfants. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. J'ai dit que je n'allais pas être long. Je pense que je vais m'arrêter. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Que le Seigneur Jésus vous fortifie. Ce n'est pas facile. Mais le Seigneur, c'est lui qui est avec nous. Le livre de Philippiens le dit. Je sais vivre dans l'abondance. Et je sais vivre dans la paix. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié. Et à avoir fait, je prie tout à celui qui me fortifie. Amen. Alléluia. Que le Seigneur Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Tous les quatre vents.
Alléluia. Tu vas disposer ce que le Seigneur a mis dans ton cœur. Alléluia. La Bible nous invite à pouvoir donner de tout ton cœur sans contrainte. Amen. C'est parce que tu as résolu. Amen. 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 Gloire au Seigneur. Préparez le front pour la gloire de Jésus. Alléluia. Amen. Je sais que les enfants de Jésus vous avez dans un chant. Et vous allez donner vos offrandes. Alléluia. On va se lever, se disposer pour chanter pour la gloire du Seigneur Jésus. Ils vont, ils reviennent, en dansant, ils vont, ils reviennent.
Que toute la gloire revienne au Seigneur Jésus. Ça nous dit que les enfants veulent rendre grâce au Seigneur. N'est-ce pas? Oui. Un chanteur de la gloire au Seigneur Jésus. Amen. Beau danser, je crois. Ah, chanter, beau danser. Merci, son frère. Voilà. Regardez-le. Shalom. Thank you.
ça vient en bas là. Alléluia. Nous allons lever nos trois minutes les offrandes et nous allons essayer. Gardons Seigneur Jésus. Et à notre Dieu, nous bénissons ces offrandes. Le sanctifiant, ces offrandes éthiques, nous sortent à Dieu de grâce, le sanctifiant pour tous. Sur la base de ta parole qui dit, mettez-moi ainsi à l'épreuve. Si vous ne verrez pas combien je vais installer ce qui va vous détruire, vos finances, tout ce qui est à vous. Seigneur Jésus-Christ, par cet acte qui a été posé, l'ennemi de nos âmes qui vient pour détruire nos finances au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous proclamons la sécurité de tout ce qui nous appartient. La sécurité, Seigneur, de nos emplois. La sécurité, Seigneur, de tout ce qui touche à notre vie sociale. Et aussi, Seigneur, notre Dieu, tu nous garantis les ressources et les faveurs selon ta grâce. Parce que tes bontés et tes compassions ne sont point arrivées à la terre. Elles sont arrivées chacun. Au nom de Jésus de Nazareth, bénis ton Église, fructifie encore cette offrande pour l'avancement de ton œuvre. Bénis chacun qui a donné le choix. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Si que Dieu m'a béni, si c'est toi, fais-le savoir. Il y a un homme ici que Dieu m'a béni. Oh,
la joie. C'est la gloire du Seigneur. J'ai bonne mémoire. Je vais vous donner la table de la bouche. Ah, vous pouvez corriger, on va péter là. Vous corrigez, je pense que c'est comme ça. Alléluia. Ah, c'est pas ça, c'est à peine la confusion. Hein. Là, c'est de... Toute la gloire au Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Nous sommes dans la joie parce que nous sommes en train de d'accomplir une écriture. Nous sommes dans Genèse chapitre 34, verset 12. La Bible a exigé de moi une forte dose et beaucoup de prison. Et je devrais essayer que vous me direz. Mais accordez-moi pour femme la jeune fille. Alléluia. Ici en Europe et dans plusieurs communautés, la notion, le principe de la danse, plusieurs n'en tiennent pas compte. Or, dans la scène de tri, il n'y a pas que le déprimant. Et la divinité de Jésus, il y a le principe de la danse, fait partie des constitutions de la scène de tri. Alléluia. La foi en Jésus-Christ, le jugement dernier, le baptême au nom de Jésus, le baptême du Saint-Esprit, tout ce sont les constitutions de la scène de tri. Et notamment, le secours a reçu le Seigneur Jésus-Christ. Mais en arrivant dans le réveil, quand le Seigneur Jésus revient, ils se sont rendus compte qu'il y a un principe qu'il fallait corriger. Parce que tu veux, tu ne veux pas. À la porte du ciel, on a le droit de poser la question. Vous êtes ensemble, mais vous n'êtes pas dans la liste des gens qu'on reconnaît au ciel comme étant mariés. Vous avez fait votre mérite. Ça veut dire que c'est vous les hommes là-bas. C'est pour honorer l'état. Mais l'état du ciel, parce que le ciel aussi, c'est un royaume. Vous n'avez pas honoré le royaume des cieux. Vous avez honoré le royaume de la France ou de l'Italie, je ne sais pas, le pays. Mais le royaume des cieux est honoré lorsqu'il y a la danse. Là, les cieux est honoré. C'est là que le ciel est honoré. Là qu'on reconnaît que le mariage est signé au ciel. Mais toi, tu prends la jeune fille. Par exemple, un exemple, d'avoir la jeune fille, même ce que tu veux. Là, le ciel ne connaît pas ces choses-là. Donc, ce couple est un exemple pour plusieurs qui nous regardent peut-être sur la caméra. Dit, il est temps. Jésus est là. Il est à la porte de régulariser. Amen. Alors, c'est bien. Pour la petite histoire, j'ai eu à un moment parlé avec ce couple. Ils m'ont dit que l'homme de Dieu, c'était dans des moments de souffrance, des moments de galère, des moments de dépression qu'il a rencontré son épouse. Il a tout fait. Parce que madame lui a porté le soulagement. Les choses qu'il a avec. Il a trouvé quelque chose de différent. Très, très différent. Et cela a porté le soulagement. Lui qui lui met dans sa petite ville de Sicile, la vie pour descendre en Côte d'Ivoire pour récupérer une perle noire. Alléluia! Alléluia! Dans le Seigneur. Et aujourd'hui, cette femme a fait de lui un homme, un serviteur de Dieu. Allez, à côté d'un content, il y a toujours une femme qui est derrière, qui soutient. Amen. Dans le Seigneur. Je voudrais que l'homme de Dieu dise un mot sur la joie qu'il a mise, le fait d'avoir finalement honoré au niveau de la danse. Amen. On ne parle pas au micro parce qu'il n'y a pas de micro. Amen. La joie. Amen. Il faut qu'il dise un mot. Amen. Là, au Seigneur, il va dire un mot sur la joie. Ah, enfin, il dit ouf. Ça y est. Hein? Parce que c'est comme il est venu dans mon père sur le coup. Donc, enfin, il a payé sa gloire. Amen. Homme de Dieu. Que le Seigneur te bénisse. Est-ce qu'on peut l'encourager à l'acclamant? Amen. Shalom, shalom. Amen. Ben oui, comme l'homme de Dieu vient de dire, c'est une grande joie parce que c'est.
C'est un petit, comment ça se dit? Un petit. Comment ça se dit là? Peseur. Qui manquait à notre situation. En fait, pour moi, on avait déjà fait une dot dans le passé, on ne va pas raconter toute l'histoire, mais en fait, cette dot-là, franchement, devant Dieu, devant la parole, n'a pas été fait correct. Donc voilà, après, disons, 8 ans de mariage, nous avons finalement mis en ordre ce puzzle. Et franchement, c'est un grand, grand soulagement de ma part, de mon épouse, de soulager de ça parce que. Déjà, il y avait déjà la bénédiction avant de la famille, maintenant encore plus. Je suis très très content. Franchement, je bénis le nom de Jésus-Christ de Nazareth pour tout ce qu'il a fait pour moi, pour tout ce qu'il continue à faire pour moi. Et vraiment, c'est. Comment dire, comme l'homme peut dire, il m'a mis une grande personne à côté, une grande femme à côté. Vraiment, une personne dans la crème de Jésus-Christ, vous savez. Et voilà, Jésus, vraiment, il sait ce qu'il fait. Jésus, il nous fait passer par des chemins très, très difficiles, comme le témoignage qu'on a écouté, maman Camille. Mais le but, après, voilà, il s'est arrivé ce 3 jours-là. Je ne pensais pas de ma vie, vraiment, pouvoir être ici à Rennes. À l'église, Jésus revient en tant que serviteur du Seigneur Jésus-Christ, vraiment. Une personne comme moi, comment tu peux choisir le Seigneur, les merveilleux. Les plans de Dieu ne sont pas les nôtres, donc il nous souffre tous les jours. Si je peux vous encourager, vraiment, s'il y a quelque chose qui n'est pas en ordre, quoi que ce soit dans votre vie. Mettez-le en ordre, c'est très très important. C'est très très important. Donc, voilà, ce que je voulais dire, c'est je bénis le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis. Amen. Là aussi, Jésus, nous allons consacrer ce couple au Seigneur. Amen. La deuxième dernière guerre qui est priée, ce matin, nous allons le dédier au Seigneur Jésus-Christ, consacrer. Afin de briser toute forme de malédiction, tout le secours. La Bible déclare que l'onction brise le jug. Le diable n'aime pas le mariage. Parce que ça rappelle la relation qui existe entre Christ et l'Église. Amen. Alors, Seigneur, on va inviter l'homme de la femme à se mettre à genoux, à la présence du Seigneur. Amen. Juste face à face, quittez moi genoux, face à face. On va prendre une Bible aussi. Et la beauté venue, la femme qui crée l'éternel, celle qui sera louée, la grâce est trompeuse. Et la beauté venue, la femme qui crée l'éternel, celle qui sera louée, elle sera louée. Elle sera louée, la femme qui craint l'éternel, celle qui sera louée, elle sera louée, louée, elle sera louée, car si tu crains l'éternel, c'est toi qui seras louée, louée par ton mari, respecté par tes enfants. Si tu crains Jésus, oh, c'est toi qui seras loué, tu seras loué, tu seras loué. La femme qui craint l'éternel, c'est qui sera loué. Au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est un moment. Très solennel, bienvenue dans le Seigneur. Nous allons nous disposer
en même temps que nous allons prier, dispose-toi aussi dans ton cœur, proclame des bénédictions pour ce couple. Alléluia. Pendant ce temps, je vais tout simplement demander à l'homme de Dieu de vous mettre après moi. En fait, est-ce qu'il y a un petit nom que tu as l'habitude de dire? Ou un petit nom? Un petit nom gentil où tu l'appelles la... Amen. Amore. 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 Ah, c'est ça, hein? Amore. Bon, on ne m'a pas. La voix du coup ne doit pas ton hier. Bon, regarde, la voix ne doit pas ton nom. Bon, on va faire quelque chose de souris dans le temps. Alléluia. C'est comment? Il y a fait pas un an, hein? Tu vas tuer un peu ton nom. Bon, Seigneur. Ok. Gloire au Seigneur Jésus. Bon. Gloire au Seigneur. On va commencer par là. Toi, homme de Dieu. Donc tu vas répéter après moi. Je veux souhaiter qu'il y ait un problème, c'est pas normal de se jouer avec ça. Comprenez. Et non. Ok. Mais non, non, c'est ton jour, papa. Papa, t'es pour toi. Alléluia. Donc tu vas répéter après moi. Amour, c'est ça, non? Amour. Je te promets. Je te promets. Fidélité. Fidélité. Amour. Amour. Sécurité. Sécurité. Jusqu'à ce que. Jusqu'à ce que. Jésus-Christ revienne. Jésus revient. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà, clame le Seigneur Jésus-Christ. Tu vas dire le nom que tu veux dire. Daniel, ok. Daniel, je te promets fidélité, amour, considération, respect, soumission, jusqu'à ce que Jésus revienne nous chercher au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Amen. On acclame le Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Parce que ne te fais pas la parole. Amen. Et là, l'adversaire autour qui pouvait condamner sur quoi que ce soit, ces paroles sont prononcées. L'ennemi ne peut pas avoir des décrets sur ce couple. Amen. Maintenant, je vais prier pour proclamer la bénédiction pour ce couple. Dans le nom de Jésus-Christ. Je prends le fruit, l'onction. Je prie une maman. Ah, ok, voilà. Alors, mon Dieu, tu sais là. Seigneur, je bénis cette huile à ton âme. C'est une huile ordinaire. Je le consacre. Ça devient, Seigneur, mon Dieu, mon roi, un feu liquide. L'onction que j'ai sur jour, par la proclamation que je prie à la bénédiction. En lui côté de femme et père, par cette fusion, Seigneur, ton onction et ta consécration brille ce jour-là. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je déclare au nom de Jésus-Christ. Je déclare au nom de Jésus-Christ. Je crois, l'homme de Dieu, Daniel. Je consacre le mariage dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible déclare que l'onction brise les jours. Toujours de malédiction familiale est brisée au nom de Jésus-Christ. Je consacre le mariage, c'est l'homme de Dieu, car au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toujours de malédiction liée au mariage est brisée. Tout ce qu'on a proclamé lors de notre mariage, à cause des paroles prononcées par les
esprits de famille, je déclare au nom de Jésus-Christ que le feu du Saint-Esprit, l'onction qui brise les jougs, brise tous les jougs au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toute malédiction générationnelle, toute malédiction familiale, à partir de maintenant, est brise. Je consacre ce mariage à toi, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. De ce couple sortiront des serviteurs et des servantes. À partir de ce couple, Seigneur, plusieurs seront attirés à toi. Ta première bénédiction, lorsque tu as prié l'homme et la femme, tu as dit, multipliez-vous et soyez féconds. Je proclame, Seigneur, mon Dieu, la fécondité au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie au nom de Jésus-Christ toute alliance, tout lien de maladie, Adonai, générationnelle. Venant, Adonai, de la génération de l'homme de Dieu d'Adonai. Toute maladie générationnelle est brisée. À partir de cette consécration, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare, Seigneur, notre Dieu, que toute alliance de maladie dans la vie de la semence de Dieu garde et brise. Et que cette union soit la joie du Tout-Puissant. Que cette union soit la gloire du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que les enfants qui sortent de ce couple d'Onaï connaissent ta parole. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, appelle cette union, Seigneur notre Dieu. Les enfants qui en sortiront soient des serviteurs puissants qui vont bouleverser ce pays. Au nom de Jésus-Christ, Adonai, que l'onction du Saint-Esprit puisse encore restaurer. Là où Adonai, mon Dieu, mon roi, le diable avait détruit, cet onction est en train de ressusciter, de restaurer, de rétablir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tout ce qui est mort revient à la vie. Oh Dieu les gloires, à travers cette consécration, Seigneur, tu te manifestes, tu entres dans la vie de ce couple. Adonai, notre Dieu, leur silence revient à la vie, leur vie de prière revient à la vie, leur joie revient à la vie. Tout ce que l'ennemi avait volé à travers cette consécration, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tout ce qui avait été prononcé le jour même de la dot, Adonai, mon Dieu, contre eux, je déclare au nom de Jésus, en tant que ministre de la parole, que cela est brisé. Tout décret qui a été élevé contre ce couple, oh Dieu, gloire, est déchiré au nom de Jésus-Christ. Nous le détruisons par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Adonai, nous consacrons ce couple à toi, Seigneur Jésus-Christ. Combat ceux qui les combattent. Juge ceux qui les jugent. Adonai, entoure ce couple par ton feu. Et que la faveur, la grâce, l'abondance l'accompagnent tous les jours de leur vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. On acclame le Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Alléluia. Est-ce qu'on peut prier dans le Seigneur? Acclamer encore. Je vais les saluer. La gloire du Seigneur Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut les saluer? Amen. Est-ce qu'on peut les saluer? Oh,
Le Seigneur a établi pendant cette période qu'il accorde sa grâce, il ouvre le ciel en fait. C'est-à-dire que tout ce que tu demandes a une rapidité de... Comment on peut dire ça? Le ciel est ouvert, il descend comme ça. Et le Seigneur déploie pendant ce temps, bon, selon plusieurs, ceux ou celles qui ont des visions, voient une armée du Seigneur qui est très différente pendant cette période. Et l'adversaire n'aime pas cette période. Parce que lorsque nous sommes en train de nouer, ce sont d'autres types d'anges qui sont assez puissants et qui envahissent la terre. Pourquoi nous devons ces... Comme nous sommes en train de célébrer, le Seigneur est en train de libérer, de délivrer, de restaurer. Malheureusement, ceux qui ne comprennent pas cette période, ils disent qu'il ne faut pas la Pâque. Or, ils sont en train de passer à côté d'une puissante bénédiction que le Seigneur donne à son peuple gratuitement. Alléluia. C'est une période. Alléluia. Là aussi. Et le Seigneur nous met à cœur de pouvoir célébrer la Pâque le dimanche prochain. Donc, tout le réveil célèbre la Pâque le dimanche prochain. Ce sera le 14 à 20. Voilà. Donc vraiment, invite aussi d'obéir qui voudrait aussi participer à ces moments. Et à partir de aujourd'hui, ce soir à minuit, nous serons jeunes pendant 7 jours jusqu'au dimanche. Et c'est un jeûne afro pour nous purifier, pour profiter de ce moment, vraiment nous restaurer auprès du Seigneur. S'il y a des choses que nous devons nous abonder auprès du Seigneur, cherche à les purifier. La Bible déclare que ceux qui sont purs se purifient encore. C'est dans ce cadre-là que nous devons profiter de chaque moment que le Seigneur permet. Tels que ces moments aussi, ce sont des moments où le ciel est ouvert. C'est une porte pour nous. Profitons-en. Donc, pense à que, voilà, achète tes bons fruits. Le soir à 18h, tu pries. Et les versets seront donnés dans le groupe pour prier que le Seigneur puisse te restaurer. Et là où il y avait la faiblesse dans quelque chose, que le Seigneur puisse te nettoyer encore, sois plus puissant, pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Voilà, c'est très important, bienvenue dans le Seigneur. Alléluia. Amen. Je voudrais juste savoir si les émissions qui passent dans nos différentes chaînes, YouTube, Facebook, est-ce qu'on a l'occasion de suivre ça? Est-ce que j'ai entendu une émission qui parle de l'Égypte à Cana? Le pharaon. Ah, vous suivez ça? D'accord. Le faible. Et l'émission. Le faible. À quoi je suis planté? Vous suivez ça? Vous suivez ça? D'accord. Hein? Bon, parce que. On nous a demandé de savoir s'il y a des gens qui suivent quand même. C'est noir. Ces gens d'émission. C'est blanc. Voilà. C'est vrai qu'il y a plusieurs émissions, mais bon. C'est rouge. Et puis ils nous ont demandé de pouvoir vérifier si les gens savent qu'il y a ces émissions qui sont très intéressantes. Marron. Et qui apportent beaucoup d'enseignements. C'est bleu. Si vraiment les gens s'intéressent à ça. C'est vraiment ça. Continuons à suivre pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Gloire au Seigneur.
Voilà, donc je pense que c'est ce message-là qui est important. Et je pense que sur Zoom, il y aura des prières par la grâce de Dieu chaque jour pour prier par rapport à ça. On va plutôt voir si on va se passer au Zoom Bassam pour voir un peu. Si on va se caler à l'intérieur du Bassam pour ne pas faire le bouton. Voilà, il y a tout ça. Très important de pouvoir vérifier tout ça pour qu'on ne puisse pas. S'il y a des prières au niveau de la Côte d'Ivoire, vaut mieux peut-être que chaque. Tout le monde se calme et prie directement. Je veux qu'on fasse le bouton. Voilà. Donc on va essayer de voir Les annonces qui seront données aussi de l'autre côté pour aviser. Gloire au Seigneur Jésus. Voilà, nous sommes arrivés à la fin. Amen. On peut se lever, prier dans le Seigneur. Je crois qu'à la fin, il y aura une petite collation en l'honneur de marier ce couple. Prends quelque chose, même un petit jus dans le Seigneur. Petit merci au Seigneur pour ce beau couple qui a été consacré aujourd'hui. Amen. Donc, nous allons nous lever. Seigneur de Dieu, tu vas continuer. Comme c'est toi qui as été béni aujourd'hui, voilà, tu vas continuer. Alléluia. Amen. Seigneur Jésus, Père éternel, Dieu de gloire, Seigneur. Nous te rendons toute la gloire, Seigneur. Nous te remercions, Seigneur, encore, Seigneur, pour ce moment que tu nous as permis, Seigneur. Pour le privilège, Seigneur, d'être ici, Seigneur, pour t'adorer, Seigneur, pour t'honorer, Seigneur. Merci, Seigneur, pour le témoignage, Seigneur, que tu nous as apporté, Seigneur. Bénis ta servante, Seigneur. Oh, Père éternel, Seigneur, maintenant, Seigneur, nous allons finir, Seigneur, nous allons finir ce culte, Père éternel. Seigneur, que tu puisses encore rester avec nous, Seigneur, pendant ce moment de partage, Seigneur. Et aussi, Seigneur, nous raccompagner, Seigneur, chacun de nous, Seigneur, dans notre demeure, Seigneur. Chacun de nous dans notre maison, Seigneur, que tu nous protèges, Seigneur. Et Seigneur, fortifie-nous aussi, Seigneur, pour cette semaine, Père éternel, qui est en train de venir, Seigneur, à la rencontre de ta Pâque, Seigneur, pour la fêter ensemble, Seigneur, en famille, avec mes frères et sœurs, Seigneur, encore pour ta gloire, pour t'adorer, Seigneur, que nous soyons fortifiés, Seigneur, ensemble, Père éternel. Nous te rendons toute la gloire, Père éternel. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Acclamons le Seigneur. Shalom à vous qui nous avez suivis, que cela vous bénisse et vous fortifie. Alléluia. J'espère que le culte vous a fait du bien et on vous souhaite une très bonne semaine. Rendez-vous dimanche à l'église pour une célébration pascale. Restez pas à la maison, viens à l'église pour célébrer avec nous. Sois béni au nom de Jésus. Amen. Shalom, shalom.